Yo. Yo. Pardon. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur They Always Won. Bah ça a fait une semaine que j'ai pas joué, donc je sais plus trop où on était, mais... Ah oui, on est arrivé à Gigapolis, c'est ça. Écoute, je contacterai mes contacts, je visiterai quelques anciens repères et je reviendrai avec un plan pour dénicher le maréchal noir. Quelle partie de ce plan implique la fuite et la disparition pour toujours ? Non mon pote, on a un accord. Quand tu auras tes informations, tu devras faire quelque chose pour moi. D'accord, et combien de temps devrais-je attendre? Beaucoup de choses ont changé ici en 10 ans. Alors t'as quelques jours à tuer. Va te promener, détends-toi, attrape quelques criminels. J'ai oublié de demander si tu étais déjà venu ici. Tu veux une visite guidée? Je trouverai mon chemin. Non, non, mon pote, ça ne marchera pas sur Gigapolis. Premièrement, tu dois savoir que, bien que l'Empire ait disparu depuis longtemps, les attitudes à l'égard des trois bras n'ont pas changé ici. Ne te laisse pas duper par cette démonstration de tolérance envers les différentes races. Alors veille à ne pas trop agiter ton outil. Voilà. Deuxièmement, la planète entière est une grande ville de gratte-ciel entrelacée. Et le nombre d'étages est littéralement un indicateur de statut social. Ce qui signifie qu'on ne sera pas trop les bienvenus aux étages supérieurs et inférieurs. Troisièmement, on ne doit pas se faire remarquer. Tu as peut-être accepté la prime concernant dont ton système. Je suis toujours recherché. Ah oui, c'est vrai que je peux repousser les balles. Mais pas avec le bon bouton. Compris, merci. Ouais, la sortie par là. Jonathan, y a-t-il du nouveau concernant la recherche de Sassan Major? J'ai vérifié 67% des... Il n'y a aucune correspondance jusqu'à présent. En fait, il y a un club de chasseurs à proximité, tu y trouveras peut-être quelque chose là-bas. Welcome home. Welcome all. Tu pourrais peut-être demander à quelqu'un, connais la chasseuse à trois bras. J'ai pas lu, ce n'est pas mon idée, je dois bien l'admettre. Bon, commençons. Comment on va là-bas? Le club s'appelle le Dude Grip. L'ascenseur au bout de la rue y mène directement. Ah oui, dès le début quoi. On arrive, welcome all, et il y a un graffiti qui dit. Fric, je sais pas ce que c'est, mais meurt trois bras, les trois bras armés doivent mourir quoi, en gros. Ok. Il respire fort ou il rigole? Ça fait du japonais ça aussi. Si on dirait. Ah non, c'est ça que je vais acheter. Cette mise à jour de combinaison vous permet de dévier les balles. Ah bah voilà, j'achète ça. C'est quoi ça? Permet d'utiliser un ennemi assommé comme... Ah oui, c'est pour la suite. Ouais. Ça, c'est quoi? Cette mise à jour du logiciel de combinaison vous permet de rapprocher un ennemi avec un harpon et de lui infliger des dégâts.
peut attirer des mecs. Ouais. On verra ça plus tard, j'ai un gun. C'est quoi ça? Munitions à haut pouvoir de pénétration. De transpercer des deux ennemis. J'avais déjà ça. Ouais. Ça vaut le coup. J'ai envie de dire ça vaut le coup. Je peux rajouter une barre. Toujours pas d'amélioration pour mes épées. Là c'est pas débloqué. Hop. Je vais garder, on verra bien. Voilà, ED209. Pour ceux qui ont la ref. Ah là là, encore une fois, regardez. Oh mais les mecs, comment ils sont bons. La ville, elle est ouf. Oh là! Arrive en boîte. Niveau inférieur, fait triple. Fait. Hein? Mince! Ça bien marché non plus. Okay. Premier langage extraterrestre. Ne t'inquiète pas pour Billy. Merci, Az. Voilà tout ce qu'on a réussi à collecter. Tu sais que je ne le fais pas pour l'argent. Oui, bien sûr. Ne discute pas, tu prends soin de nous, on prend soin de toi. Jonathan, tu vois ce que je vois. C'est donc une vraie sage-femme, ouais. T'avais raison. Eh bien. Comment nous là. Le valet de Billy qui veut se venger. Tu dois admettre que tu es un bon traqueur, mais ce connard ne vaut pas une telle dévotion, crois-moi. Mais je suis pas... Je voulais juste rendre hommage à un concurrent plus performant. Ah oui. C'est moi qui offre les boissons. Tu veux dire que tu es un chasseur? Quel dommage. Peut-être une autre fois. On dirait que cette piste nous mène nulle part. Ouais. Bon sang. Bon, je vais devoir faire confiance à Sam pour le moment. On n'a pas de meilleure alternative. Ouais, je vais faire un tour. J'en entends un, ouais. Sens. 300. Eh, le nouveau, parlons un peu. Tu veux gagner un peu d'argent facile? Tout dépend ce que cela implique. C'est un jeu d'enfant. Tu voles vers Charade pour récupérer un bâton auprès du chef des... Pourquoi ne pas... Toi-même, c'est toi le chasseur, ok, ouais. En plus, ma grand-mère est malade. Il n'est pas poli de refuser une commande, tu sais. Alors, tu me files un coup de main. Je paierai. Quoi ? Je parlerai de toi en bien auprès des habitants, la réputation, comme toujours, dans notre domaine d'activité. Ouais. C'est un peu bizarre, hein, mais bon. Très bien, je vais accepter ta commande. Merci, mon pote. Tu ne le regretteras pas. Jonathan prépare le vaisseau, direction Charade. Ah, je reviens. Oh, bah, ça, c'est cool. On fait toute la route. En fait, Jonathan, qui sont les technomages ? Dois-je me préparer à quelque chose? Tu n'as vraiment pas entendu parler des technomages? Eh bien, j'ai entendu dire que c'était une sorte de secte, et pour ce qui est de ce qu'ils sont en réalité, j'en ai aucune idée. Personne ne le sait, généralement ce sont des paisibles explorateurs. Ils creusent dans les anciennes ruines et croient que certaines planètes sont infectées par leur magie. Et quelle est cette magie?
Ils pensent qu'il s'agit d'un complexe de nanomachines, de virus et de ce qui sait quoi d'autre. Je suis désolé, hein, j'ai un peu de mal. Mais perdu ces machines, transformation permet de contrôler le... Non, là ça va pas. Ça semble ambitieux. Ouais, mais ils n'ont aucune preuve irréfutable. D'accord. Malgré le fait que l'Empire ait dépensé beaucoup d'argent pour faire des recherches sur le sujet. Ce sont des fanatiques têtus qui continuent de chercher les bonnes configurations avec lesquelles communiquer. Ils chantent des chansons, récitent des prières, font des complexes mouvements des mains et d'autres choses typiques des sectaires. Compris, merci pour l'explication. Nous approchons de Charade, prépare-toi pour l'atterrissage. Ouais. Je sais pas, je sens que ça... Ça va pas être si facile que... Charade, c'est bon. Je sais pas, j'ai peur que ce soit pas si facile que... que ce que m'a dit l'homme. L'homme dans le bar. Par contre, la musique, elle déglingue. Enfin, la musique est belle. Elle déglingue. Pardon d'interrompre tes méditations, mais je suis à la recherche du chef du culte du coin. Il a volé quelque chose de précieux. Le territoire et la fraternité bleue et hérétique. On va disperser tes atomes pour que l'avenir il puisse former quelque chose de plus révérencieux. On dirait une menace. Qui était recherché. Comme quoi, même c'est... Design, je trouve qu'il est bien fait. Prédicateur, voilà, nous en avons fouillé. Je sens le pouvoir émaner de cet endroit. Je dirais que ce prédicateur est, est ma cible, pardon. Je suis mort parce que j'avais plus de vie et que j'ai fait n'importe quoi.
Non, ça a l'air bon. Ah oui, j'aurais pu monter et faire. Ça, ça sent un piège, ça, non? Ah ouais, mais... Vous connaissez, je dois y aller. Aïe! Aïe! Ah non. Ah bah heureusement que je suis retombé. Ok, lui c'en est pas un. Ça se sauve. On dirait qu'il se cache sous terre. Ouais, c'est juste pour le fun hein, que je coupe les statues. Ah merde! Oh! Je me suis gouré de boutons. Je suis un débile. En plus, j'avais du soin. Je suis complètement débile. Ah merde, je me suis gouré de boutons. Encore. Eh oui, j'étais sur le bouton taper alors que c'est, je devais faire contre-attaque. Sa cabane. Franchement, j'aime bien. Quoi, je suis mort? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que je me suis pris un truc sur la tête, mais... Ah!
20. Super. Là, c'est fermé. Lâche. Là. Ok. Merde. Quoi, je sais pas où aller. Maintenant je peux utiliser le harpon pour briser les murs obsidienne. Ah bah d'accord. Fallait le dire avant en fait. Permet d'utiliser le harpon pour détruire les plateformes en bois ainsi que les murs fissurés. Et en obsidienne. Appuyez et maintenez LB pour tout en regardant un mur ou une plateforme appropriée pour détruire. Ok. Ok, je vois. Donc en fait, tâche. D'accord, et donc là je refais tout le tour. Ok. En bas je peux passer? Ah d'accord. Je sais plus où j'avais vu un autre truc en obsidienne. Non, c'était là. Ouais, c'était là. Ah, c'était tout ça pour en arriver là, d'accord. Ça rapporte pas beaucoup, mais on ne sait jamais, un de ces jours je peux ouvrir un truc et puis voilà. Et je suis toujours moi dès qu'il y a un coffre hein. Alors je sais même pas si je dois aller à droite ou à gauche. Bon, on va aller à gauche parce qu'il y a des mecs. J'ai déconné. J'ai qu'il est ouvert. J'ai déconné. Oh bah je l'ai eu.
D'accord. Ah oui, bah donc finalement je devais y aller quoi. Non. Comme ça. Ah mais la musique est magnifique. Du tout, cherche un projecteur de champ et éteins-le, d'accord. Un projecteur de champ, ok. Mais par contre, en bas, j'étais déçu parce que la porte ne s'ouvre pas. Et donc. Donc, faut que je passe par là. Ah oui, il y a un champ, d'accord. Non, là-dessus, regardez derrière là. Je sais pas c'est quoi, un temple ou un truc, mais le fait de mettre ça, un trou dans la paroi et mettre le fond, non c'est... Vous voyez, j'ai ouvert un coffre, ils m'ont donné un bon truc. Élément cybercardiaque. Ok, 1 sur 3. J'aurais pas ouvert, je l'aurais pas eu. Bah non. Ah non. Pourquoi? Ah d'accord, je peux sauter, ok. Non, c'est bon. Alors. Ça tue, ok. Non mais je voulais vérifier, peut-être je refais. Oh. Et en fait oui. Oh c'est quoi ça? On était pas recherché. Ah. Intéressant. Voilà. Donc maintenant on retrouve du. Waouh, d'accord, je.
je dois juste livrer ce bâton. On joue avec les champs de force, hein. Toi ? Encore toi ? On se connaît ? Tout cela, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que je suis devenu si gros. Ouais, tu as des kilos en trop, mon frère. Mais je crains que cela n'ait rien à voir avec moi. Les glucides, c'est ton véritable ennemi, ainsi que le vin de messe. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Professeur, c'est lui, celui qui m'a maudit. Tu n'aurais pas dû revenir ici, mortel. Tu as maudit mon meilleur élève, et maintenant, ta punition t'attend. 10 000 crédits, sinon, tu affronteras le courroux des anciens. J'en ai assez de ce cirque. Quel coup de théâtre, que ferais-tu de tout cet argent? Peut-être que tu dépenserais... Aucun mortel ne comprend nos mystères. Et ou meurt. Jonathan, comment je désactive le champ bizarre? C'est un bouclier balistique commun de niveau 1. Il est juste décoré avec un hologramme comme le champ que tu as vu avant. Il ne bloque que les projectiles grands ou rapides. Ton bras devrait traverser facilement. Au fait, ton ami ici présent garde le générateur du champ dans son médaillon. Merci, Jonathan. À qui tu parles, le fou? Les esprits ne t'aideront pas dans notre royaume. Eh bien, voyons ça. Attention au bras. Dans sa gueule. Au nom de la technomagie, je te maudis. Ah, le bâton. Jonathan, j'ai le bâton. J'attends au-dessus. Je sais même pas c'était qui ces mecs-là. Bah, tu vois, on les a pas tués, donc. J'étais à porter le bâton. Il a apporté le bâton! Oui! Chasseur! Qu'est-ce que... Chasseur! Eh! Chasseur! Ouais, bon, les gars... Désolé, mon pote, c'est la tradition. Bienvenue au D-Grip, tu es désormais l'un des nôtres. Bon sang, je suis tombé dans le panneau. Ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. La commande relative au bâton était fausse, bien entendu, mais aujourd'hui tu dois... Tu bois bien. Bien merci. Oh, trop vite. Fais comme chez toi. Bon. Peut-être boire un coup, je sais pas, il y a peut-être... Smash, mon pote, rappelle-moi qui vient d'attraper Sally la psychopathe. Laisse-moi réfléchir. Oui, oui, bien sûr, toi et moi. Bon sang de bonsoir. Wow, félicitations, Sally. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les boissons sont à notre compte. Ah bah ça c'est cool. Qu'on m'apporte le bidon de vodka. Je sais que vous avez tous essayé de le faire, mais avouez-le, nous sommes les meilleurs. Moi j'ai pas essayé. Donne à chacun... Narki, combien de fois je vous ai, toi et à tes amis, de ne plus venir ici? Et Rango, moi aussi je suis un chasseur.
Hey, t'as entendu ça, Smash? Le gamin est un chasseur. Je te crois pas, Rambo. Je pensais que c'était un chasseur de rats. Non, il peut y avoir plus de chasseurs de rats que de rats. Il n'y peut... Ouais, d'accord. T'as raison, Rango. Ils sont trop nombreux. Ils volent les boulots des honnêtes chasseurs. Le seul truc qui est pire, c'est les trois bras. Pourquoi dis-tu ça? J'allais manger et maintenant j'ai perdu l'appétit. Ah 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 ah. Aiden, Sam est de retour. Il dit qu'il a un plan. En route. Ah, on est, les trois bras sont vraiment pas appréciés ici. Je vais profiter, j'ai 7000. Je vais acheter le truc là. Servir. Puis je vais acheter ça. Non. Ça. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, c'est quand je saute, d'accord. Ouais, non, ça va aller pour l'instant. Attends, il est où, gars? Ça m'est revenu, mais il est où? Il est pas là. Là, c'est pour les cibles. Il doit être dans le cockpit, hein, mais je vérifie quand même. Il est pas ici. Ok. Il aurait pu m'attendre là. Qu'est-ce qu'il fait dans le cockpit? Surprends-moi. Il a changé de vêtements? Non. Eh, mon pote, j'ai préparé une présentation pour toi. Quelqu'un a-t-il entendu parler d'un gars appelé la combinaison? Non. Et il n'a pas entendu parler de toi non plus. Ça, c'est notre problème. La combinaison est un courtier d'information local sur le marché gris. Pas n'importe quel genre d'information, les informations les plus secrètes. C'est ton ticket vers le maréchal noir. Le problème, c'est que la combinaison ne travaille qu'avec des personnes haut placées et toi et moi ne sommes que des gens ordinaires. Alors j'ai élaboré ce plan pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des photos des 30 criminels les plus recherchés. Et que doit-on faire? Hein? Les attraper par dit. Quoi, les 30? Plus on attrapera, plus on se fera remarquer et la combinaison finit par nous contacter elle-même. Finira par nous connaître. Elle ne peut pas aller directement chercher le numéro 1. Colonel Muller? Eh bien, peut-être. Mais... Quoi? Muller n'est pas si facile à trouver. Les flèches, mon pote. Les flèches ne sont pas là pour rien. Tu vois? Comme les flèches partagent des cibles des plus simples aux plus délicates, pour atteindre Muller, on doit découvrir l'emplacement de l'ancienne base impériale dans laquelle il s'est installé. Je parie que les informations sont conservées dans les bases de données de l'enclume. Pendant qu'on y est, on peut également s'attaquer au directeur, un autre criminel très recherché de la galaxie. Mais, encore un mais. Et pour entrer dans l'enclume, il nous faut un maître en piratage informatique. Et j'en connais justement un. Le seul problème, c'est que... Si je te tire dessus, sache que ça n'aura rien de personnel. D'accord, d'accord. On va au niveau inférieur de Gigapolis. Je te dirai tout en chemin. D'accord.
Ouais, en gros, on va attraper des mecs de faible, on va dire de faible rang pour lui, qui nous mène à lui, qui nous mène à lui, qui nous mène à lui, qui nous mène. Non, tu te diriges tout au fond de Gigapolis. Tu devrais trouver mon vieux compagnon d'armes, Smiley, dans ce lieu abandonné. D'accord. C'est le pirate informatique dont on a besoin pour entrer dans l'enclume. Le problème, c'est que même dans ses meilleurs jours, Smiley est parfois un peu flou. Un peu fou ou flou? Non, fou. Et en jugé par le fait que je n'ai pas pu le contacter, il traverse probablement l'une de ses phases. Ok, donc c'est bon. Bon, on verra bien. Hein. Pareil, hein, regardez les décors derrière, magnifique. La ville et tout. Ok, personne ne parle. Au fait, tu te souviens de ce que j'ai dit à propos des trois bras? Tu verras par toi-même dans quelles conditions ils vivent sur Gigapolis. Est-ce que ce Smiley est aussi un trois bras? Non, il habite plus loin. D'accord, ah oui, donc ça c'est des trois bras aussi. L'élu, tu nous as trouvé. Les gens me prennent souvent pour un. Hein. Non, je ne peux pas me tromper. L'arme des pierres et murmuré ton nom. Désolé, je suis pressé. Ce pauvre Jean ont perdu la tête à cause de. Ok. Ok, ils ont dit que c'était tout droit, mais. Ah! Un peu de mune. Là, il y a un coffre. De la nourriture, de la nourriture. J'ai pas de nourriture. Salutations, ô noble chasseur. Veux-tu entendre l'histoire de ton peuple? Un pire a créé les trois bras et travaille dans les mines, c'est tout. C'est l'histoire de ton passé. Et je peux te raconter l'histoire qui n'a pas encore été écrite. Désolé, je ne crois pas aux prophéties. J'écris ma propre histoire. Ta propre histoire, peut-être. Mais tu n'es pas curieux de savoir comment ton histoire se mêle à celle des autres? Quelle autre? Et maintenant, tu as complètement perdu mon intérêt, il n'en reste... Pardonne-moi, je dois pas encore... Tu ne dois pas encore être prêt. Et les chiffres. Ok. Pourquoi es-tu allé au niveau supérieur encore? Je vais bientôt être à court de structure de recoudre. J'ai réfléchi. Quoi que tu fabriques. Et quoi? Non, tu es fatigué. Faire des travaux de couture, c'est tout le contraire. Imagine l'atelier de Dan et d'Aiden, ça sonne bien. Après tout, tu es une encyclopédie vivante des points de Saturne. Quoi, des points de Saturne? Je suis particulièrement fier de celui qui ressemble à un trois bras. Non, qui ressemble à un troisième bras. Ouais, ça doit être par là, mais moi. Eh, voyez? Pardon. Faut pas négliger les coffres, hein. Un moment qu'on n'a pas vu de chasseur ici. Alors qui doit chasser?
Et de qui tu penses que je protège cette porte? Qui? Des raclures du 5e étage qui se cachent de la police. Oh, et comment ça va? Mon bâton se porte bien. Et j'y contribue. Je ferais mieux de ne pas t'embêter alors. Ouais, effectivement. Je ferais mieux d'aller faire ton travail, chasseur. Aiden, si ces trois mains n'exagéraient pas, cet endroit doit être rempli de criminels recherchés. C'est exactement ce que je me disais. Ah oui, d'accord. Moi qui voulais y aller, ok. Y a un truc, non? Que là, je peux y aller. Je peux pas aller là. Ah, je suis déçu. Ça, hein. Ils veulent pas. Ah, il y a du coffre en bas. Ah bah il y a un coffre en haut. Mais... on peut pas y aller, ok. J'ai acheté le truc pour repousser normalement. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si je tire. Non. Ouais, appuie sur croix au dernier moment pour dévier le projectile. Ouais, si j'ai. Bon. C'est juste que je suis nul. Non.
Décevant. On peut passer par là? Bien sûr. Je suis dégoûté, il y avait plein de coffres en bas. Ah, quoique, je peux peut-être rattraper par ici. Ah non, en fait je me suis fait entuber. J'ai pas le bon chemin. Attends, Oh. Ah ouais, je m'en doutais. Je l'ai vu charger et au lieu de rouler, j'ai. Et ouais, comment on fait pour passer par là-bas? En plus surtout que lui. Juste quand je voulais. Mes coffres. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah. Plus qu'un.
plus. Hop. Non. Voilà. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Mais lui, il met 30 ans pour faire son coup aussi. Parce que quand il fait son coup, je suis immunisé. Enfin, je suis immunisé, je suis quoi? Ah oui. Je dis bien. Ouais, comme je disais, il y a excusez-moi, j'ai essayé. C'est chaud en fait, c'est vraiment au poil de cul quoi. Obligé. Je vais faire venir les deux autres, comme ça, ça fera déjà deux en moins. Ah oui. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? T'as trouvé Smiley, mon pote. Dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Merde, Sam. Pourquoi m'as-tu pas dit que Smiley était un énorme poisson? Non, non, non. T'en avais pas dû me traiter de poisson. Un poisson, tu viens de me traiter de poisson? On dirait que j'avais raison, il est l'une de ces humains. Tu es mort. Essaie de tenir le coup, mon pote, j'y arrive.
et je tire sur quoi? Oh la chaîne que j'ai eu. Je suis mort ? J'ai même pas vu.
En fait, les balles, c'est super efficace. Mais vu que j'en ai pas, j'en ai pas beaucoup. Ça va En fait, faut que je joue avec ça. Faut que je joue avec ça. Désolé, qu'est-ce que c'était? Je ne parle pas poisson. Ouf, tout le monde est vivant. Je suis arrivé à temps. Sauf ce poisson a perdu les pédales. Comment va-t-il nous aider? Mais t'arrêtes pas de la... Mon pote, qu'est-ce qu'il te met dans toutes ces états de calme, d'accord? Pourquoi as-tu cassé ton traducteur? Ton traducteur, il jurait. Il n'arrêtait pas de jurer. Smiley, tu me reconnais? C'est moi, Sam. J'ai essayé de te joindre, mais tu étais hors réseau, mon pote. On a besoin de tes talents. Les bénéfices seront répartis en parts égales. C'est sérieux? Y verrais-tu un inconvénient si on allait discuter de... Ok. Putain, juste au moment où je comprenais la technique. Bah, ça va, nickel. Quoi? J'ai mis chez moi? Mon pote, notre ami se les gèle. Peux-tu augmenter la température dans le compartiment de 10 degrés? Je peux faire ça, laisse-moi se réchauffer. Quoi, laisse-moi se réchauffer un peu. Dis merci. Oui, nous avons un endroit au but, Smiley. Alors, on doit entrer dans l'angle. Bon, apparemment, il veut pas. Il a compris. Peut-être. Et si on n'atterrissait pas? Généralement, on le jette dehors sans s'arrêter et on se tire. C'est ce que je veux dire. Effectivement, il n'y a pas grand chose à traduire pour l'instant, mon pote. Smiley veut chercher des schémas de l'enclume et proposer un plan et je dois aller faire quelque chose. En attendant, tu veux visiter les boutiques du coin et acheter quelque chose pour le voyage? Je ne serai pas... Je te ferai signe quand tout sera prêt. Ok. Non, mais maintenant, où je vais les mettre, les mecs que je capture, c'est...
T'as compris, mon pote? On est prêt à partir. En route. Ouais, bah d'abord j'achète des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est ça? 3 épées avec un tranchant atomique. Elle inflige 1,5 fois plus de dégâts que les épées normales. Bah voilà. Peut-être utiliser pour attaquer, contre-attaquer les ennemis. Ça, ça a l'air bien. Ça, j'ai déjà. C'est quoi? Ça, c'est pour... D'accord. Et ça? D'accord, ça rajoute. Bah d'abord, je vais prendre ça. Pour taper plus. Voilà. Il me reste 2000. Bah voilà. Bah écoutez, je suis dans la salle de machine, mon pote. Salle des machines, c'est là-haut. Tiens, et c'est ces bottes. C'est quoi? Je les ai retirées. Quoi? Je les ai retirées un charognard. Empêcheront de te retrouver en 1000 morceaux après une chute depuis les hauteurs. C'est une partie essentielle du plan de Smiley. Je ne dis pas souvent le mot essentiel. C'est quoi le plan? Eh bien, je ne sais pas que tu as entendu sur l'enclus, mais c'est une planète usine qui produit toutes sortes d'armes. Les armes sont fournies aux militants, aux terroristes qui étaient autrefois des soldats impériaux. Les fabricants gardent aussi des trucs pour eux-mêmes. À part des trucs, je veux dire, de la bonne camelote. Et pour cette raison, la chute de l'Empire n'a eu aucun effet sur la prospérité de l'enclume. Ses défenses sont trop solides pour que des planètes libres et éparpillées puissent faire quoi que ce soit, tu comprends? Et c'est là que ses bottes et le plan de Smiley entrent en jeu. Notre maître en piratage informatique peut dissimuler le vaisseau à leur système, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a une fenêtre de temps très courte. Elle suffira à peine pour se rapprocher de la surface et repartir. La seconde, c'est qu'on ne peut pas atterrir. Tu vas devoir sauter pendant qu'on se déplace. Alors n'oublie pas de changer de botte. Tu vas sauter dans un silo à missiles que Smiley a déniché pour toi, ça réduirait le risque de faire détecter. Je ne comprends pas comment tu peux voir quoi que ce soit avec ce casque, mon pote. T'es un peu comme le Vengeur aveugle. T'as déjà vu ce film? Écolocalisation. Cela expliquerait les oreilles. Donc c'est ton style de combat? Je n'ai jamais vu de trois bras se battre comme ça. Tu dois avoir été formé par ce mystérieux moine des lunes sombres de Pandora Prime. Tu regardes trop de films, Sam. Et bien plus... C'est bien plus simple. Les cybercostumes font tout le travail à ma place. Très drôle. Bien, mais un jour je vais découvrir la vérité. Bah c'est possible, hein. Les exosquelettes, la nanotechnologie, t'es plus fort, plus rapide, ça se peut que le costume fait tout seul. Waouh, par contre l'enclume est beau. Alors Smiley, combien de temps reste-t-il avant notre arrivée à au silo à missile? Glou glou. L'idée que nous y sommes presque. Mais on peut rester en vol stationnaire que pendant quelques secondes, alors tu devrais sauter pendant que se déplace le monde. Je m'en souviens. C'est une longue chute, le silo a presque un demi-kilomètre de profondeur. Alors assure-toi de ralentir la chute. Ok.
Exactement, je préfère ne pas traduire ça au fait. Comment sont les bottes? Pas trop serrées? Non. Très bien, mon pote. On est arrivé. Allez, allez! Avant qu'il nous repère. T'appelles ça un demi? Ah oui, d'accord. Vous avez reçu les bottes. Permet d'effectuer un saut supplémentaire en l'air. Ah, j'ai le. D'accord, j'ai le double saut maintenant. Ah, ce n'est pas si haut, n'est-ce pas? Tu peux entrer dans le. Par le. Ok. Audrol, es-tu sûr que ces bottes feront l'affaire? Elles ont un taux d'échec de seulement 30%. Qu'est-ce que j'entends? La puissante chaleur a-t-il. Ok. Tu n'aimes pas utiliser tes équipements non testés. Teste-les alors! Il te suffit de sauter alors que tu es dans les airs. Et les commandes automatiques prendront le reste. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai failli oublier. Les bottes n'ont qu'une seule charge. Mais elles se rechargent à l'atterrissage. N'oublie pas cela. Ah, d'accord. Ok. Alors? Ah non, ça. Pour éviter de subir des dégâts en raison de la chute, appuyez sur sauter avant d'atterrir. Ok. Ok. Les hauteurs, je vais détenir. Ok. Est-ce qu'il y a mon pote? Il dit que tout allait bien, tes bottes fonctionnent. Les affaires fonctionnent, mon pote, ne t'inquiète pas. Bah, c'est pas si haut que ça. Là, oui. Ah. J'ai trouvé un truc secret. Ah oui, d'accord. Ah purée, je ne savais pas celui-là. Maintenant je vais le faire à chaque fois. Non.
Pardon, j'avais pas vu. Il y a une plateforme de fret dessus. Trouve le moyen de la prendre. Donc là-haut, j'ai vu qu'il y avait un coffre. En bas, je sais pas ce qu'il y a. À gauche, je sais pas ce qu'il y a. Ah, ben voilà. J'ai plus de vie. Est-ce que je dois aller là? Ah. Ouais. Quoi? Ah oui, ils sont revenus. Mais si je le tue, je... J'ai pas vu qu'il y avait une prime sur sa tête. Ah voilà, non, c'était parce que je voulais prendre ça. Et voilà, un deuxième 500. J'ai oublié la plateforme. J'aurais pas dû faire du flingue, j'aurais dû faire du... On va vérifier, est-ce que le coffre a été pris? La botte. Débile, 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 débile.
Allez. Aller là-bas. Bizarre. Ah oui, d'accord. Super, tu es dans le bâtiment administratif, le directeur devrait être au sommet. Mais non ! C'est ça que je veux. Ah, mais ça me saoule ça. C'est agréable. Putain, j'ai pas lu de... Je ne veux pas risquer ma part. Fais attention à ces... Ok.
Allez, bam! Mais c'est pas possible. Alors, on est arrivé ici. Donc on est arrivé en haut, mais il faut redescendre. Très bien. D'accord. Ah. J'ai vu direct, j'ai sauté. Je me suis dit ouais. Et en fait, comme j'ai un peu de mal avec la distance de saut. Il y a une ligne avant la ligne en fait qu'on voit donc Oula. Ouais, je sais, j'aurais dû aller détruire le truc de champ de force en haut. En premier.
Hey, mon pote. J'écoute, Sam. Jonathan m'a raconté à propos de ta nouvelle technologie criminelle de téléportation. Et quoi? Je veux juste te rappeler que nous avons besoin de directeur pour savoir où Muller se cache. Et pour améliorer ta popularité, tu devrais le livrer dans un endroit bondé. J'ai compris, Sam. Pas de tuerie et pas de téléportation pour le livrer. Ça sera fait. Sérieusement, un chat? Pourquoi ça ressemble à un méchant à l'ancienne? Mon pote? Qui traites-tu de chat, crétin? C'est directeur, d'accord. Allez, Sledgehammer, montre-lui qui est le patron. Les gars, pourquoi le chat parle-t-il ainsi? Tu n'as pas regardé les photos que je t'ai montrées? Le directeur est un félidien. Il ressemble à des chats domestiques. Mince. J'espère qu'il est dressé. Ah oui, d'accord. Sledgehammer, quand il tape, hein. Ouais. En deux tapes, donc il faut pas qu'il me touche. Bon, par contre ça c'est abusé. Y a pas le passé, non. Ça, ça marche pas. Pardon, putain, faut que j'esquive. Ça c'est relou. Attends, j'ai trouvé le directeur. Génial, sort de l'os, Miley. Dit qu'il y a un couloir de service sous le plancher. C'est là que tu dois sortir. Ah oui, d'accord. Il semblerait que nous ayons un problème. Ah, un problème. Une alarme s'est déclenchée dès que tu as sorti le directeur du bureau. A-t-il un mouchard sur lui? Ça ou un implant? La planète entière est en train de devenir dingue. Donne-moi une minute. Tous ces protocoles sont obsolètes depuis 10 ans. Je vais essayer de désactiver l'alarme. Oh, waouh. Waouh, Smiley. Il y avait un petit système d'autodestruction et je pense que j'ai activé accidentellement. T'as fait quoi? Trêve de bavardage, il nous reste moins d'une minute pour s'éloigner de la planète.
j'ai pas vu le décompte donc. J'ai pas vu, d'accord. Hop, allez, on y go. Oula. Non, pas ça. Pas de mocha. Voilà. Prends le chat. Semble avoir fait un peu plus de boucan que prévu. Ah bah. Ouais, on n'avait encore jamais fait exploser une planète. J'espère que la combinaison nous remarquera avant qu'on ne réduise en cendres la moitié de la galaxie. Ne t'inquiète pas, Jonathan. Je sais quand m'arrêter. Je ne savais pas que tu jouais. Tu veux le montrer à la classe? Quoi? Ah! Remets ça en place, c'est la guitare de mon ami, remets ça en place. On ne voulait pas t'offenser, mon pote. Alors, tu veux me dire comment tu es revenu à la vie? Et pourquoi cherches-tu le maréchal noir? Non! Pardon. Une autre fois alors. Gigapolis! On est revenu! J'allais dire la maison, mais non. La maison, c'est mon vaisseau. C'est sérieux? Le mot de passe pour la base de données de l'enclume, c'est Whiskas! Sam, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire en sorte que notre des résultats, tout est sous contrôle, mon pote. Apporte le directeur à la police pendant que je cherche les coordonnées des données que nous avons trouvées. Et pour Smiley, c'est vrai, faut relâcher le poisson. Je vais m'en occuper, tu peux passer par le bas. Bonne idée, peut-être que ces chasseurs à trois bras, la chasseur à trois bras, il sera très bien. Allez, viens petit. Et puis maintenant il court avec la caisse. Bien sûr, t'es mon vendeur préféré. C'est pour plus tard ça. Ah non, c'est 5000, d'accord. Ouais, mais ça c'est pour ouais. Ça peut m'aider ça. On va prendre ça. Ok, j'ai acheté mes balles. Ouais, ok. Allez, on est parti. Quelqu'un a-t-il commandé le criminel le plus recherché? Putain de merde, c'est le directeur. Alors l'enclume était... Ouais, désolé pour ça. Ouah, alors c'était toi qui as fait exploser l'enclume? Merde mec, c'est partout dans les nouvelles. T'es une putain de célébrité maintenant.
Que je sois maudit, je viens de voir le mec qui a fait péter l'enclume. Je lui donne. Ah voilà. 8500! Je peux continuer mes achats. Ça c'était ça, ça c'était... Ah oui, pour ouais. Je vais prendre ça. Et puis je vais prendre... prendre ça pour voir ce qui va se débloquer là-haut. Enfin, si ça se débloque un jour. Et puis, ouais. Ça a l'air bien. Est-ce que ça vaut le coup alors que j'ai un flingue? Ouais, puis voilà. Ouais! Qui vient de faire péter l'enclume? Qui a donné le directeur vivant et qui a pété l'enclume? Ah, les mecs là-haut, ils vont être dingues. Hey, c'est toi qui a fait exploser l'enclume? Le débutant est vraiment bon. Comment as-tu attrapé le directeur? Bah, je l'ai chopé. Bon sang, même Rango et Smash n'ont jamais... Ok. Ah, alors, t'es vraiment un chasseur. Qu'est-ce qui m'a trahi? Je ne sais pas, c'est peut-être ton approche discrète. C'est vrai, si j'avais moins de retenue, j'aurais attrapé Billy le premier. Tu peux toujours rêver, tu n'avais même pas la moindre chance. Il a dû perdre connaissance, prendre connaissance de quelque chose d'important vu que ton ami était si pressé de le tuer. Tu n'as aucune idée, je cherchais depuis bien trop longtemps pour le laisser échapper à la justice. Ouais, moi aussi. T'en as pas marre de te reposer? Désolé, le devoir m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je fouillais dans les données de l'enclume, devine qui avait raison. On a les coordonnées de la base Scorch. C'est quoi ça, Scorch? T'as dormi combien de temps, mon pote? C'est la base impériale secrète. À Muller. Le criminel peut rechercher la galaxie, machin et tout ça. Tu ne m'avais jamais dit son nom. Prépare le vaisseau, on décolle, j'arrive. On va aller chercher Muller. Alors, qu'est-ce que tu caches? Pardon? Sous ton casque, je t'ai jamais vu sans. Juste deux beaux cheveux blancs. Et des yeux bleus? Jonathan, t'as pas dit? Et j'ai pas d'yeux. Non, je pense que je sais ce que tu as là. Ce que tu as là, mon pote. Toute ta tête sous ce casque n'est qu'un énorme. Quoi? Qu'un énorme. Œil de mouche? Sinon, comment tu pourrais. Frapper derrière toi avec ton troisième bras et autant de précision. Oui. L'entraînement. Un jour, tu me feras assez confiance pour me montrer cet énorme œil de mouche. Un œil de mouche? Ah, c'est dégueulasse. À la place d'une tête, à la place d'un visage, c'est un œil de mouche? Non. Oh. Arcturus 7. Alors ils ne nous ont pas repéré. On a volé sous les radars. On a atterri à un avant-poste isolé. Ça semble calme. Bon, espérons que ce n'est pas ce que Muller s'est gelé. Bref. Excusez-moi, en ce moment j'ai du mal à lire.
Tout va bien, Sam? Ouais, je voulais juste respirer un peu d'air frais. Ce sera pas de la tarte, tu penses pouvoir y arriver? On va bien voir. Tu es sûr que la combinaison nous remarquera après ça? Aucun doute là-dessus, mon pote. Muller est un enfoiré notoire. Sa capture provoquera un boucan dans tout Gigapolis. Merde. Regardez le décor de derrière, comment ça claque. Oh! Aiden, j'ai aperçu un funiculaire. Quand on est décollé, il devrait être amené. Okay. Pour l'instant, ça se passe bien. Je me demande pourquoi l'Empire a construit une base ici. La discrétion peut peut-être quelque chose de... ici. De la civilisation et des contraintes temporelles. On est arrivé. Bon, hein. Je n'aime pas ça, on a découvert. C'est de monter sur le toit et d'escalader le câble. Non, de l'autre côté, voilà.
cet étage semble abandonné. Il n'y a probablement pas de sécurité ici. Ouais. Par contre... Par contre, c'est en bas qu'il faut aller ou en haut ? C'est ça qui me fait chier. Je sais pas si je dois passer par en bas ou par en haut. Ok bah. Au moins, comme ça, je sais où j'en suis. Salaud. Ma faute aussi en même temps, hein, j'avoue. Je fais n'importe quoi.
Oh, mais non. Le tape il bloque et au moment où j'appuie, ça a pas marché parce que je crois que j'étais encore en mouvement. Ça c'est ouvert. Ça c'est la fameuse porte. Et en bas. Maintenant je peux descendre. Et voilà. Tiens, guette. Une impasse. Tout à fait, le passage, j'essaie de le faire fonctionner la perceuse. Ici, un secteur central de la base. Par contre, ici, je peux pas monter, ok. Bon sang, Jonathan, tu vois ce que je vois? On sait maintenant pourquoi l'Empire a construit une base ici. Ce n'est pas une prison ordinaire, Jonathan. Tu crois que Muller. Une aversion personnelle envers eux. Il doit y avoir quelque chose d'autre, c'est bien que Sam m'ait conduit ici.
Mais y a-t-il de... Merci. Ok. Ça a l'air d'être par là. Là, c'est un rac. C'est quoi ça là? Bonsoir, Jonathan. On a juste enculé les coups. Après avoir enculé les corps. Que j'ai eu, vous avez reçu éléments, ok. Donc maintenant on va c'est juste un coffre, ok, nickel. Ah oui, c'est là, d'accord, c'est cette pièce là. J'ai appuyé. Oh non, je dois recommencer. Merde! Pardon, je suis... Là, ça me... Ah, attends. Tu devras... Non, c'est pas ça. Cette fa... Non, c'est pas là. Moi, ce que je vois... Non. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Voilà.
vais essayer de rusher sans mourir. Jonathan, ces chambres torture ne sont pas arrêtées. Et pourquoi y avait-il torturé ses trois bras? Bientôt poser la question. Il y a des chambres de torture et tout, non mais. Heureusement qu'ils m'ont pas fait redescendre plusieurs étages. Là, il va y avoir de la baston. Oh, ok. C'était déjà ouvert. Il est temps pour toi de payer, salopard. Oh mon dieu, quel échantillon exquis. Bien entendu, il nécessite quelques travaux. Tu seras le joyau de ma collection. Crois-moi, des années de travail ont affiné mon instinct dans les échantillons tels que toi. Et maintenant, je vais te désinguer. Hop, fort. What? Allez, allez, n'aie pas peur, je ne vais pas te tuer. Ce serait un tel gâchis de matériaux. Tu es destiné à de grandes choses, mon ami. Mais avant tout, je vais devoir te briser, tu comprends? Identification par ADN terminée, veuillez éloigner du corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne fuyez pas. Ah ouais, je pouvais pas gagner, quoi. Le mec, il m'a défoncé direct. Et Nathan? Oh, un débutant. Je pensais que... Il est déjà vu quelque part. Et j'ai payé ta caution. Merde. Eh oh, y'a quelqu'un? Ouais. Pourquoi diable n'ai-je pas encore été relâché? Jonathan, tu es là? Jonathan? Merde, où est-ce que tout le monde est passé? Bon, on va attendre. On dirait bien que c'est lui. Tu as le sac? Faisons nos valises. Je connais ces deux mecs-là. Prends-lui son sac. J'ai entendu dire que tu étais à ma recherche. C'est toi la combinaison. Seul le charognard m'appelle comme ça. Tu as 10 secondes. Je cherche le maréchal noir. Oh oh, pourquoi pas l'empereur? Eh bien, il est déjà mort et le maréchal est toujours en vie. Ce sont des informations assez chères. Tu as quelque chose à proposer? Je suis un bon chasseur de primes. J'ai déjà le meilleur à mon service. J'ai récemment enfermé une personne qui était très coriace même pour le meilleur d'entre eux. Et
puis quelqu'un s'est avéré trop dur pour toi. Mais j'ai fait le travail, je suis ici. Eh bien, attendons tes partenaires pour discuter de la question. Les gars, ce que ça signifie, Marc? Tu sais que je travaille seul. Tu ne sais donc pas que je ne travaille pas avec les trois bras. Il y en a pourtant un nombre indécent dans cette pièce, et tout le monde veut quelque chose de moi. Il y a quelqu'un, je n'aime pas les surprises, Sam. On avait un accord, mon pote. Tu ne me l'as pas demandé. Vous réglerez ça entre vous plus tard. Si cela ne te dérange pas, revenons aux affaires les plus urgentes. J'ai besoin de pièces, d'une certaine technologie exotique. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que tu dois faire plusieurs tâches pour moi. Une fois que j'aurai tout ce dont j'ai besoin, tu auras ce que tu es venu chercher. La tâche est claire, l'ami. Quand est-ce qu'on commence? La première tâche est un train d'énergie appartement à la société. Voilà. La plupart des marchandises sur le train sont illégales. Tu n'auras donc pas de problème avec les autorités. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un petit conteneur marqué de ce symbole. Un train est actuellement en route vers la planète voisine de Chimera. Ce sera en transit pour une autre journée. Je te conseille de ne pas perdre plus de temps. Les coordonnées ont été envoyées à ton ordinateur de bord. Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à lire. Peut-être parce que j'essaye de lire vite, parce que je me dis il n'y a pas assez de temps. Et donc je lis mal. L'équipage attend sur le vaisseau Aiden. Ce train ne va pas rouler éternellement. Pardon, j'y serai. Mais d'abord... Ah, vous voyez, il y a un nouveau truc ici. Qu'est-ce que c'est? Trois pistolets de gros calibre. Ils infligent 1,5 fois plus de dégâts que les pistolets normaux. J'achète. Non, pas besoin. Ça c'est mes pistolets, mais pourquoi ici j'ai deux... Ouais, bref. Allez, on est parti. Ça va se débloquer plus tard. Qui est en bas? Qu'attendons-nous? Nous décollerons dans quelques minutes. T'es bien installé. Comme dans un 5 étoiles. On peut y aller maintenant? Ce train ne va pas attendre. Ok. Ici, il n'y a personne. On peut y aller, mon pote. Ok, bah on y va, là. Je regarde, parce que ouais, 17h28. En route. Ok. Ce train à deux étages, vous devez vous séparer. Et toi? Je serai en train de vous encourager. Dépêche-toi, mon pote, sinon notre nouvelle amie fera tout toute seule. Non, tout elle-même. Vous pouvez pas vous dire au revoir? Je vais lui donner une longueur d'avance. Tu
le niveau supérieur ou le niveau inférieur? Pendant que vous discutez, je vais fouiller les deux. Ah, que con. Ça c'est cool, il y a balle de feu. J'ai mouru. Passe par en bas. Je me laisse tomber et ressauter. Genre comme ça. Ah non, je veux pas rester bloqué là, ça va être chiant. Par contre, les décors derrière, hein, toujours magnifiques.
Je ne le dirai jamais assez. Peut-être pas assez de vie, peut-être pour ça. Là, au lieu de mettre une barre, ils auraient pu mettre un cube. Quand je dis un cube, c'est un cube comme ça là. Où je mets mon grappin, tac. Ça me saoule, ça va me saouler, je le sens. Chaque fois que je touche, je meurs. Ça me saoule parce que je sens qu'il va y avoir d'autres phases comme ça qui vont me bloquer. Pas réussi à me rattraper. Désolé pour cette petite...
Désolé pour cette qualité de gameplay, mais... D'accord. Je comprends. Je pense que j'avais... comme je l'utilisais avant. Quelqu'un peut me lancer une échelle ? Un grand merci de la peindre de tous les feux. Vous avez reçu une pochette Steam Pack. Bah voilà, ça je peux en avoir 3. C'est des criminels et il n'y a pas de... Il n'y a pas un qui a une prune sur sa tête ? Oh ! Je l'ai vu au dernier moment. Le train et puis on va ça fera du jeu des belles vidéos. J'ai trouvé la boîte portant le symbole. Comment vas-tu ?
Je vais faire le tour, on va le récupérer. Ah, faut pas sauter. Je voyais plus gros le conteneur en fait. Je le voyais plus en mode. J'ai trouvé le. Comment on appelle ça? Le wagon où il y a le conteneur. Et on aurait décroché le conteneur et. Enfin le wagon et puis on serait parti avec le conteneur. J'ai failli tomber. J'ai pas vu comment on fait pour... D'accord, j'ai vu. J'ai vu comment on fait pour l'avoir. Ah d'accord. Aïe. Ok, je suis... J'ai fait des bêtises. Complètement neuf comme mec.
Oh mon dieu que c'est long. Oh la longue, la longévité. La longue. Enfin j'ai long. Comment ils sont revenus? Ah on sait pas ça. Qu'est-ce qu'on peut éternuer à ce moment? Non, y'a rien. On vérifie, hein, parce qu'on sait jamais, un coffre par-ci, un coffre par-là. Waouh, tout le monde est déjà là. On attendait que toi. Quelqu'un devait bien faire le travail. Quelle passion. Aurais-je manqué votre mariage? Livrons le colis à la combinaison ainsi que... Non, ouais. Avant que vous ne vous entretuiez tous les deux. Alors pourquoi avez-vous besoin de l'aide de la combinaison? Oh, t'as entendu ça, Jonathan? Notre pote a posé une question personnelle. Voilà qui amène notre amitié à un tout nouveau niveau. Alors, vous avez commencé à travailler ensemble récemment? 3 semaines. D'accord. Très bien, mon pote. Je vais t'enseigner les bonnes manières. Je vais répondre à ta question. Pendant les révoltes contre l'Empire, disons simplement que j'ai passé du temps des deux côtés. Je ne parlerai pas de toute ma carrière, mais quand ces événements se sont produits, je serai sur un bataillon choc sylvain, ma terre natale. Tu es donc un impérial ? Je l'étais, bien qu'il ne m'était pas donné d'armes, vu que j'étais un autochtone mobilisé. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Ça ne change rien, les machines que j'ai réparées, pour eux, n'étaient pas du genre pacifique. Même si je n'ai pas tellement... notre commandant était aussi un autochtone, le baron généreux, mais il aimait le sang. Après cette opération rebelle réussie, il a fait exécuter tout un village. Ah ouais, quand même. Juste pour montrer l'exemple. Il avait déjà commis des actes similaires, mais cette fois-là, j'étais obligé de regarder. Parce que c'était mon village. Je ne vais pas dire qui était là, mais la nuit suivante, la 101e bataillon de choc avait disparu. Les piles à combustible de leur trotteur ont explosé. C'est tout. Puis j'ai découvert que le baron s'était envolé pour le QG ce soir-là. Pour rendre compte à ses exploits au Sylvain en personne. Enfin, sur Sylvain en personne. Désolé, hein. Depuis lors... Mais cet enfoiré a disparu et fait profil bas quelque part. Tu sais, je pense qu'on devrait le remercier, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés.
Mais pourquoi recherches-tu le maréchal noir? Il a tué quelqu'un aussi, mais je ne sais toujours pas grand-chose là-dessus. Juste son nom. Et toi, mon ami? Je n'aime pas trop raconter des histoires. Ne le prends pas mal, mais je ne fais équipe avec toi uniquement que... Hein, comme c'est dommage. Petite interlude de discussion sur le vaisseau. De retour à Gigatech. Gigatech, n'importe quoi, Gigapolis. Voici ton conteneur. Excellent. Juste une seconde, je vais chercher la clé. Du calme, les gens, ceci n'est pas un vol. C'est disco. Tout le monde bouge. Oh non, je connais cette voix. Ferme le coffre-fort. Merde, il a pris la clé. Ne le laissez pas récupérer le conteneur. Par la fenêtre, attrapez-le. Quoi? On le laisse s'en aller? Se couler à l'aide d'un hologramme. Tu as reconnu sa voix? Est-ce celui à qui je pense? C'est Glitch, mon pote. Aucun doute là-dessus. Bon, il est temps de prouver si tu es de taille à affronter les chasseurs. Ce glitch a oublié que c'est mon travail de tout savoir. Et je sais où se trouve sa planque. Les données ont été envoyées. Il est ici, à Gigapolis. Et j'espère que je n'ai pas à te dire que tu dois quoi? Dégage. Que j'ai à te laver, que je dois te dire que... Bon, bref. Alors qu'il a examiné le plan du bâtiment. Je vois, on a un vrai pro en action ici. Alors, il suit ta mort, mais concentre-toi. Je suis désolé, il semblerait juste que ce ne soit... Parce que je... Allez, retourne à ton vaisseau et retourne d'où tu viens. Elle a vu, elle est magnifique. Tu voulais me parler du plan? Je suis content d'avoir attiré ton attention. Tout d'abord, Glitch est du genre à tailler en vitesse. Si on ne veut pas lui faire peur, on doit agir en toute discrétion. Continue. Deuxièmement, Glitch utilise des systèmes de sécurité complexes. Et on doit se séparer pour ouvrir mutuellement des portes. Et troisième, j'espère que tu n'as pas le vertige. Non. Merveilleux. Bah sur ce, monsieur dame, on va s'arrêter là. Ouh. Pardon. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.